à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez le décor, on n'est pas en France, on est en Espagne. Je suis avec Rémi, vous l'avez déjà vu si certains suivent vraiment les vidéos dans certaines. On a fait notre passage du BPGEP pour être guide de pêche ensemble et maintenant il guide en Espagne. Donc explique-nous Rémi où on est un petit peu. Là on est sur le lac de Garcia Sola, donc c'est le lac intermédiaire entre Sierra et Orellana. Là on va vous amener avec nous sur une pêche pélagique. Johan il est déjà en train d'attaquer un bel écho là. Voilà, Johan il est déjà à l'heure. Et voilà, donc il y a une pêche, on a fait quand même quelques belles actions cette semaine. Il y a une belle moyenne de poissons. Il y a un créneau horaire à respecter, une présentation, une profondeur. Donc on a bien séancé ça là sur les 5 derniers jours. Et là on va essayer de faire de la touche, essayer de faire un gros. Belle moyenne de cendre, belle moyenne de brochet aussi. Donc voilà, ici on est, comme on le voit sur le bord là, le lac a déjà bien commencé à baisser. Il va baisser tout l'été et là c'est la dernière semaine où je suis ici avec les copains pour faire un peu de pêche. Et après la saison de guidage reprendra fin août, début septembre. À savoir que je travaille du coup pour l'entreprise Séjour de pêche et on est ici sur le camp de pêche Extremadura. Donc voilà, on amène les clients sur des séjours de 2 jours jusqu'à une semaine, voire plus, à pêcher les 3 lacs. Et après, en fonction, on s'adapte si la pêche est meilleure sur l'un ou sur l'autre lac. Voilà, donc écoutez, on va essayer de faire de belles images, essayer de vous faire régaler un max, vous faire voir des touches. C'est surtout ça qu'on veut essayer de vous faire voir. Et puis feu. Okay. Feu. Super. Bon voilà, comme on a résumé, pêche pélagique pour aujourd'hui. On va se concentrer un peu là-dessus, à chercher des gros poissons, gros cendres, gros brochets. Et on va voir ce que ça donne. On a le spécialiste des pêches de cendre au finesse devant nous qui devrait nous régaler aussi. Allez, c'est parti. Attends, regarde devant là, il y en avait un là. Regarde. Là. Lui là. Putain, mais il faudrait être aveugle pour pas le voir celui-là. Fais un effort. Oh. C'est un gros. Allez, sors-moi ce truc là, prends le sac à mata là ou le ZPS. Non, il a son petit finesse magique. Aïe. Ah, il paraissait plus gros de loin. Ah, c'est pas vilain quand même hein. C'est toi qui avances ou... On va pas trop voir là. Ah mais attends, regarde ce travail d'équipe, regarde. Ouais. Oh là là. Ah ce timing. Oh là là. Ah il t'a pas détecté. Non. Il t'a pas vu. Pas de détection. Il est dans la bonne profondeur. Oui. Ah oui. Je confirme. Il peut se passer des choses. Allez, fais l'effort poulet. Ah là il t'a vu là. Là il t'a vu. Là il t'a vu. Ah là il arrive. T'es un homme mort. Non, il va pas prendre le bâtard. Oh. Allez, il a pris. Et voilà. Et voilà, le spécialiste. Ça c'est un brochet. C'est gros? Non. C'est un brochet en tout cas, non? Ou un joli cendre. Ouais. Ah ça va quelque chose peut-être sympa. Ah oui, un joli cendre. Oh putain, il l'a rangé. Pour le premier de la journée quoi. C'est le deuxième écho qu'on attaque. Wow, c'est coffré. Disparition satanique. C'était qu'un seul film. Ouais. Oh là là. Alors ça. C'est bon ça. Non, c'est un 79. 79. 79 pour Yohan. Premier poisson pour commencer, 79. Yes, voilà. C'est bon ça. Regarde le dos, fais-nous voir le dos du cendre. Regardez-moi ce dos là. Il est énorme. C'est vraiment des poissons en forme. Allez, vas-y, tu peux remettre ça à l'eau. Allez, ça dégage. Hop. Et voilà. Parfait. Bon, au suivant. Au suivant. Pour moi, il y a une grosse quantité de poissons ici. Si tu fais pas un lancer, le premier lancer est parfait. Ah ouais, c'est ouais. Mais là, le premier lancer, tu l'as fait, tu l'as calé. Au premier lancer, il l'a vu. Avec une canne un peu plus light, mais pas du tout. Oh bah là. Pas tant que ça. Ça suit, mais ça prend pas. On va leur faire passer le petit alors. Non, faut changer d'écho là. Changer d'écho ? Ouais.
Alors là, on vient de voir une escouade de cendres. Regardez le groupe là. Et le pire, c'est que je suis sûr qu'il n'y en a pas un qui va prendre. Peut-être que je vais mentir. J'espère que je mens, hein, mais chaque fois qu'on a eu des escouades comme ça. Voilà, s'il y en a pas un qui le voit quand même. Là, il y en a qui l'ont vu. Oh là là, ils l'ont tous vu, ça y est. Oh, le bandit qui suit. Ils sont rigolos, c'est ça. Tu pourrais penser qu'ils sont un peu plus méfiants, mais en fait, ils sont un peu plus bêtes parce qu'ils sont ensemble, mais en fait, ouais. Non. Au contraire, t'as l'impression qu'ils se chassent les uns les autres et qu'il y en a pas un qui prend, quoi. Ouais. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, ils l'ont vu. Yes. Bien joué. Incroyable. Ils se sont disputés le leur. Ouais, tous petits touches. Encore un joli. Oh, il l'a. C'est même pas il l'a avalé là. C'est... Il l'a bien gaufré. C'est un beau en plus celui-là. Ouais. C'est encore le même finesse. Ouais. Disparition. Ouais, il est haut. Pas de doute, c'est le pattern. Où tu as la pêche? Encore un super fish. Il y en avait deux comme ça, voire quatre. Ouais. Des toutes petites touches, hein. Ils viennent dans l'axe, pourtant ouais, il aspire en même temps, il garde sa vitesse, tu le sens pas quoi. C'est quasiment une touche œsophage. On était vraiment pas. Allez, encore un joli. Super. Yes. Super cool. Et voilà, ça repart. Allez Léo, allez. À mon tour. Et tu vois que Léo va prendre la canne et on va voir un 120. On voit que descendre sur descendre. Vas-y. Là, y a un big one, ça, big ça, one. Ça c'est un brochet. Ça c'est brochet mon chef. Aïe. Non, c'est deux. C'est deux cendres. Attends, méfiate. Ah là là. Alors je prie le bon Dieu pour que ces deux échos ils se rejoignent. Et que ça ne soit qu'un. Fusion. Yeah. C'est pas grave, même sentence. C'est pas mal. Oh là là, t'es mort. Yeah bro, yeah. Joli. Là. Les cendres ils sont chauds. Bien sûr. Oh, la manivelle elle est tirée calme. Oui, elle est neuf. Elle est neuf, tout neuf. La œsophage. Ah bah là, 3 sur 3, bien joué Léo. Là, c'est 3 sur 3, c'est au fond quoi. Ah ouais là, il y a le panel qui est déjà dans l'estomac. T'as pris une petite touche? Oui. J'ai vu le bout de la canne, juste ping. Oh là là. La petite touche. C'est bon ça. Déjà quand t'as la pince qui rentre à moitié, c'est que c'est une bonne touche. Ouais, joli. Voilà, on montre là la GoPro juste là. Boum. Boum. Allez. Au poisson. Allez, vas-y, on a le vélo. Voilà. Ah bah là, il y a un truc. Allez, yo-yo. T'es pas passé dégueulasse quand même, hein. T'es pas axé. Ah, c'est pas des freins, il faut vraiment le... Bon, un autre. Il faut passer juste le... J'ai essayé, ah. Je pense pas que tu m'aies vu, il a pas suivi. Ah bah là il t'a vu oui. Là il t'a vu oui. Il a pas lâché l'affaire encore. Là il a lâché, ouais.
Allez, suivant. Qu'est-ce que c'est ça? Là oui, là oui. Vas-y. Pardon. Ça c'est un broc. Ça c'est un broc. Une boule. Non, il n'y a que derrière. Pas droit, droit. Parfait hein. Ça pourrait être mieux mais t'es bien là. Oh là là, t'es mort. Oui, t'as vu, t'es mort. Oh, oh, oh vache. Joli poulet. C'est joli ça en plus. Non c'est moi, c'est un peu plus beau que les cendres, ouais. J'ai un petit craquement dans la main. J'ai vu, tu t'es refilé comme ça. Ah bah oui, c'est joli. Ah, il y en a qui tourne. Quel rush. Ah bah tu vois le frein il marche. Quel rush. Douche. Bien énervé. Allez vas-y, finis ton combat. Hop, la toise, la pince. Joli poisson. Bah s'il y en a que ça là. Non, j'en ai un autre dans ma boîte. Ah, faudra aller chercher dans l'autre bateau discrètement. Tiens, non. À la pause repas. Ah, j'ai oublié mes cigarettes. Allez. Wow, il est tellement large. Hop. Là. Ok. Et c'est un 96. 96. Ouais. Tiens, je te laisse le prendre. 16. Bien joué poulet. Allez. Il est tellement large. Il est trop beau. Largeur du poisson. Poisson typique, il approche la caméra là, tu vois, il est vert un petit peu dans la bouche et tout. C'est un petit peu vert, un petit peu bleu, c'est trop beau. C'est des poissons, ils sont géniaux. Allez. C'est un 18. Ah, c'est un talon. Ah. Et splash. T'as pris une grosse touche ou pas? J'ai pas vu. Non, bah non, en fait, c'est... Les fameuses touches que tu rates quand tu fais trop vite. Ouais. Tu sens le toc. Et je sais en fait, que. J'ai vu, ça fait. Tum. C'est vrai, en plus, on verra sur la vidéo. On va pouvoir faire comme au rugby. On va pouvoir décortiquer toutes les actions. Non, j'ai compris que quand ils l'ont en gueule, ce petit finesse là, en général, ça reste un petit moment. Oh oh. Dis au revoir à ta casquette. Je m'en fous, je la ramène au magasin. Et celui-là ? Ça chasse là ? On dirait, ouais. C'est un peu près de lui. Il a dû sentir l'électricité statique, celui-là. Il prendra pas, lui. Il a fui ou? Il accompagne sa boule de blanc. Bien à côté du frigo. Exactement à la même profondeur que le précédent. Passe un peu plus haut. Action, je sais pas s'il a suivi. Il a vu, il a vu. Fait un peu comme ouais, ça. Il a tourné un peu. Ah il peut revenir. C'était parfait.
Ah ouais, tu penses? Du coup, qui s'est retourné? Un beau brochet. Il l'a vu là aussi. Ouais, il le voit, il le voit. Il a peur. Putain, vraiment, ils sont tous sur off. C'est gros ou quoi? C'est pas très gros mais... Oui, marrant. C'est un brochet. Je c'est pense. Un brochet? Même pas sûr. Si, un petit brochet. Un tout petit! Un zizi brochet! Bon, j'approche qu'une. T'as bien raison. Cool. Tout petit. Tout petit brochet, ils sont beaux. Allez, vas-y, on met le... Là, c'est tout bruit de décès. Je pense qu'on peut aller se nicher... soit là-bas. Oh. Regardez bien sa canne. Voilà. Voilà. T'es sûr? Tu peux pas t'empêcher de filmer quoi. C'est fou ce job. Il y a la caméra en plus. Bon, bah ouais, du moment où il y a une caméra. Et encore, quand la chasse est encore habillée, parce que d'habitude, quand il y a des caméras, mon pote, déjà de un, il est pas tout seul. Et en plus, il a rarement autant d'habits. Et une sacrée canne. Et lui aussi, il a un gros teddy. C'est encore un petit cendre. Un petit. Oui. Et, un coup, petit cendre. Oui. Coup, qu'est-ce qu'il fait encore dans l'eau? C'est vrai que lui il aurait pu finir. Bi, cette canne elle drop pas. Ah. Ah mais elle est bière en plus. Je te fais un tuto après. Oh la vache. C'est un petit. Un petit ouais. Bonjour le 76. Et le caveau, tu poses ça sur la toile, ça fait 76. Oui. Là. Voilà. Vers ça. Joli cendre. Il y en a de plus. Ouais. Super. Cool. Bravo poulet. Hop là. Et la partie. Ah!
aïe aïe. Ah. Comment tu le vis? Ah, cet échec. C'est trop chaud, quoi. Tu le vis mal, hein. Incroyable. Non, je commence pas à lui dire là, des trucs pareils. Là, là. Le long, là. Ah, tu le vois pas là? Oh là là. C'est tout pequeño. J'ai l'œil, hein. Franchement, les potes, c'est pire que les meufs. Moi, c'est pas trop. Ah oui. Ah, parce qu'il y a aussi une science en fait derrière ça. Il va le faire en plus. Non. Il va pas le faire. Oh, regarde. Taper. Voilà. Putain. Putain. Ah, c'était bon. C'était bon. C'est gros. Ah, putain. Arrête un peu. Voilà. C'est gros, arrête. Non, non, c'est pas gros, gros, gros. Range-moi cette filoche. T'es sûr? Non, non, c'est pas gros. Ah. C'est un silure. Petit brochet. C'est un petit brochet. Ouais. Déjà quand t'as descendu, quand t'es descendu, il a déjà décollé, ah oui. Accès. Oh le petit rush au bateau. Oui, il aime bien ça. Ouais, ouais. Là on va sortir quand même de là. Ah. Un petit brochet. Il était bien caché là, sous sa petite bouée là-bas là. Olé. Il veut pas passer la boucle. Non, non. Là tu vas finir mal mon copain. Yeah. Voilà. Allez, qu'est-ce que c'est un cendre? Voilà. Joli cendre. Cool. Allez. C'est parti. Boum. Nickel. Ça a duré 4 minutes. Oh, cette accélération! Oh là là, il est venu de loin lui! Ça, c'est un cendre, ça? Ouais. Je sais pas. Ouais, ouais. Ah, non, ouais, non, voilà, ouais, ah, voilà, ouais. Ouah, il saigne. Un petit brochet. Ah oui! C'est une vraie touche là. Boum! Allez, numéro 8. Heureusement qu'on peut courir sur le pont. Et un clic. Heureusement que c'est un 17 pieds. Voilà. 5 et 9 secondes. Ah. Bon là là. Ce recul. Ça a pas été long. Hein. Encore un petit bras peut-être. Écho d'après. Je sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, les touches elles s'enchaînent quoi, c'est impressionnant. Un peu comme lundi. C'est un petit rocher. Allez, allez. Non, petite chandelle. Oh non. Non. Saute-y, saute-y. Saute, saute. Le leurre, vite, vite. Il est là mon chef, il est là. Chope le leurre, chope le leurre. Oui. Attrape le brochet aussi en même temps. Oh là là, notre précieux quoi. T'es vraiment... T'es, oh là là. Bon j'en avais deux autres d'avance mais merde. Oh là là. Putain, j'imagine pas quand ça sera une femme qui tombe à l'eau quoi. T'es un homme dévoué. Oh, bien joué. cette action. C'est vrai qu'il avait un peu chaud depuis 2-3 minutes là. Il me disait ah, la moquette elle brûle tout. Attends, il a dit
c'est encore un jour à se baigner. Oui. Moi je saute que si c'est la tresse qu'il faut aller chercher. Ah mais non, mais on pourra même pas le réutiliser. Ah ouais, t'as sauté pour rien. Non, je te jure. Non mais du coup regarde, on peut plus l'utiliser vraiment. T'as sauté pour rien gros. Mais si. Ben regarde-le. On va le réparer. Avec quoi? Balle neuve. Pour ça. Montre-le bien. Ah super. Allez. Chou. Il l'a coupé quoi. Ben oui, regarde. J'ai l'autre partie là. Après celui-là on peut le bricoler avec de la colle, mais pendant ce temps on a l'autre aussi. Oui, bah on va faire un remplacement stratégique. Bien joué poulet. T'es l'homme de la situation, hein. On peut compter sur toi. Il fait chaud ou quoi? Montre-nous ce que tu faisais là. Un Extrémadour, voilà. Hop, et voilà, et il est reparti. C'était sûr. Tu le vois, la vitesse où il part, oh, c'est sûr. Et repouler. Un brochet. Oui. Voilà. Et allez. Ah, les petits sont dehors aujourd'hui. Une vitesse sur le côté, c'est parfait. Joli. Allez, au suivant. Voilà, s'il a envie de prendre. Trop tard. Il l'a bien vu. Oh, mais non. T'as vu, il freine. ZPS, ils en veulent pas. Tu me feras le plaisir de ranger ce leurre. Voilà. Ça prendra pas. Il est en face là, ouais. T'as vu? Ah ah! Oh. C'était sûr! Comment il pique bien cette case! Voilà! Tiens! Bon, je t'ai mort! Et là, c'est encore un joli. Encore ça. Un petit cendre! Encore un qui nous a fait disparaître le leurre! Oh là là! C'est une journée de disparition! Bien aspiré! Oui. Et ils sont tous à table, encore. Bonne inspiration.
J'ai cru que j'avais démarré un peu tard la récupération au début. Encore un petit cendre. Dans un gros cendre. La poupée russe. Je suis pas ouvert de coupe. Hein. Oh, magnifique. Une belle couleur. Cool. Thunder. Allez. Au suivant. Vu les coups, c'est gros. Hein. Ouais, ouais. Ah, joli sang, un brochet, un brochet. Tiens, le rush. Oh, c'est joli quand même. Ah, flamme. Ah, bah oui. Je crois qu'ils y sont. Je pense qu'il le fait pas beaucoup de mille. Oh là là, c'est un bœuf. C'est un véritable bœuf, ce truc. Alors, là t'es à zéro. Combien? Ah, sans tout pile. Mais très haut. C'est le septième. Septième de la semaine. Jolie ma poule. Génial. Ouais, je fais la photo aussi. Ouais. Oh là là. Tac, putain, il est magnifique. Magnifique. Il est ventru comme il faut. Ah, ces couleurs de malade. Allez. Allez, on part. Boum. Ça. Un beau travail d'équipe. Oh. Bien joué. Et ben voilà. Ça, c'est broché, ça, et c'est joli. Bien, là, t'es bien. Oh, la terrage. C'est correct. Oh, le terrage. On va pouvoir débriefer celui-là en vidéo. C'est pas gros. C'est pas gros. C'est pas gros. C'est pas le sapsuel, il fait moins du mètre, mais il est pas loin, c'est à 95 hein, quand même. Oui, mais il est mort en fait. Ah, ok, il m'a cassé. Allez. Oui, tu as cool. Fais pas le mètre, non. C'est un 95 et quelques. Bon ben voilà, fin de ce beau petit séjour, enfin bon séjour, on a fait 10 jours quand même ici. C'était bien, on a fait pas mal de poissons, on a fait beaucoup de pêche pélagique, c'est ce qu'on voulait vous montrer un petit peu en vidéo. Des gros poissons en pleine eau, des pêches assez ingrates où on passe quand même pas mal d'heures parfois sans une touche, mais avec des poissons
très difficile, on va pas se mentir. Pas plus facile que chez nous en tout cas, ça c'est sûr. Très capricieux. Ouais. Très capricieux, ouais. Mais avec une super taille moyenne quand on arrivait à en faire, donc c'était cool. Taille moyenne de descendre, c'était combien, 75 ? 75, ouais. Ouais, c'est ça. Et les brochets, plus de 80 largement. Ben ouais, ben du coup, on fait en tout quoi, on est à 150 poissons. On a estimé, ouais, 150 ouais. poissons, rien qu'en pélagique, on compte pas les poissons bordure. On a fait quand même pas mal de petits brochets en bordure, des black bass. Là, ils finissent aussi leur séjour. Là, la dernière demi-journée, ils ont préféré aller faire quelques basses à vue. Ils ont fait un joli 53 et un 49. Donc, c'est pas des petits poissons non plus. Et voilà, toujours pareil, grosse moyenne, beaucoup de temps, peu de touches. Par contre, les touches, ouais. elles étaient lourdes. Elles étaient très très lourdes. Il y avait vraiment des pics d'activité, des phases d'alimentation qui duraient une heure où là on allait enchaîner quelques échos rapidement et les faire. Et des grands passages à vide et de jour en jour, c'était jamais les mêmes horaires. Donc c'est ça qui était dur aussi. Fallait être sur l'eau toute la journée et on allait avoir 2-3 pics d'activité vraiment marqués dans la journée qui durent une heure. Où on va pouvoir faire un peu plus de poissons et des grands passages à vide parfois pendant 2-3 heures sans réussir à faire un poisson. Ça suit, ça prend pas. Ouais. C'est la pêche frustrant. Pêche super frustrant. Le lac est grand quoi, donc ouais. il faut quelqu'un qui connaît le lac, sinon sinon c'est mort. Ah bah là oui, sur cette superficie. Ouais, ça fait 3800 hectares quoi. Ouais. tu peux vite passer à côté et faire 3-4 jours sans prendre un poisson, même si c'est l'Espagne. Ouais. Sans problème. C'est ce dont on peut s'attendre à venir ici en Extrémadure. Là on a fait on a bien poncé un lac, mais voilà, il y a aussi du potentiel sur Orellana, sur Cirala. Il y a de belles images à faire aussi, il y a du potentiel bordure, pélagique sur les trois lacs, hein. c'est l'Espagne. Mais voilà, nous on s'est concentré ici, bah, c'est aussi le lac que j'ai le plus pêché cette année en guidage. Et ben voilà, hein, on est à la fin de ce séjour, on a pris tous des beaux poissons, tout le monde a fait son maîtré. Hein. Tout le monde a fait son maîtré. Sauf moi. Mais tout le monde a fait son maîtré et c'était le principal quoi. Toi t'es là tout Alexis, tout le temps, Alexis il nous régale, hein, il nous fait 105, 119. Ouais. Toi tu fais ton 113. Ouais. Franchement, c'est rien que toi, Yoann, t'avais compté 28 brochets pris. Ouais, j'en ai fait 28 aujourd'hui, ouais. 28. 28e aujourd'hui, ouais. 28e aujourd'hui, le plus petit, il devait faire 70. Et le plus gros, 119. C'est impressionnant, quoi. Ouais, une super semaine. En tout cas, j'espère que cette vidéo un peu exceptionnelle vous aura plu. Et que ça vous donnera envie potentiellement d'aller avec Rémi sur ces magnifiques lacs d'Espagne. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.